Bonjour, déjà je vous montre le magnifique décor de Manuel, j'en mettrai le lien. Alors c'est un décor, vous pouvez mettre dessus les Tortues Ninja, tu peux mettre dessus Predator 2, ça suit dans la ville, tout ça. Bon, moi j'ai pensé à un film, après il n'y a peut-être pas la grime, c'est pas grave, mais je sais que ça se passe dans un coin de ruelle. J'ai pensé à la figurine Le Loup-Garou de Londres. Justement, je vais la recevoir aujourd'hui. Derrière, j'ai remis... J'étais pas obligé, mais j'ai remis derrière le truc de NECA. Voilà. J'ai collé, j'ai arraché le boîtier. Hein. Voilà. Je me suis dit, l'idée, elle est pas moche du tout, parce qu'à la fin du film, le loup-garou se fait abattre par des flics, hein, comme vous savez, enfin ceux qui ont vu le film. L'extraordinaire film de John Landis, que j'ai rien à dire, de toute façon. Une tuerie. Voilà. Et justement, j'ai collé ça à l'arrière. La dernière fois, il nous avait fait voir la chose, vous vous souvenez? J'avais montré aussi Predator, et tout ça, c'est lui qui fait des petits décors de dingue. Alors, vous pouvez mettre les Tortues Ninja, vous pouvez mettre Predator, bon, peu importe. Hein. C'est lui qui fait tout ça. Un truc de dingue. Petit décor, ici, du journal. Ah, j'ai pris cette caméra-là, parce que l'autre, on voit un peu flou. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec le Loup-Garou de Londres, hein, mais je sais que ça correspond avec la vision du film. Une sorte de ruelle à la fin, avec les poubelles au bout, donc, magnifique. Voilà, petite poubelle, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Voici la bête en question de NECA. Voilà, magnifique figurine de NECA. Juste incroyable. Parce que vous allez voir les photos. Énorme. Bon, excusez-moi si c'est un peu flou par moment, mais de toute façon. Voilà. John Landis, très grand film de 1981. Voilà, même ça c'est bien foutu là, tous les poils là. C'est bien foutu. Et franchement, NECA, ils ont fait très très fort. En plus, la figurine, elle passe tout juste dans le décor. Alors ça, c'était pas programmé pour le décor, hein, malheureusement. Bon, je pouvais pas savoir qu'elle était aussi grande. Je savais qu'elle était grande, mais pas à ce point-là, quoi. Là, c'est vraiment énorme. Les pas, toutes les articulations, je sais plus combien de points d'interrogation, d'articulation dans les 20-25, je sais plus, c'est énorme. Elle est juste énorme. Voilà, il y a une tête interchangeable que je vous montrerai après. Mais j'ai préféré laisser cette tête-là, finalement. Mais l'autre est très belle aussi, c'est pareil. Voilà. Magnifique. Bah, Loup-Garou de Londres, je vous ai déjà montré la dernière fois le démon nazi, là, de la marque, je ne sais plus ce que c'est comme marque, Sotatoy. Là, c'est NECA. J'ai aussi le buste 1 sur 1 du Loup-Garou de Londres qui est énorme. La tête, elle fait trop faux comme la mienne. C'est un truc énorme. Qui est sur mon mur, mural, fabricant particulier. Bon, je vous l'ai déjà montré dans mes vidéos. Faites des recherches, vous allez voir. Un jour, il faudra peut-être que j'essaie de le filmer, celui-là, mais il est tellement imposant que ça va être très dur à filmer. Le truc qui est juste énorme. Voilà, magnifique film de John Landis, 1981. Qui, par la suite, que je précise, mon chanteur préféré, forcément. Et après, allez savoir avec tout ce qui s'est passé, si c'est vrai ou faux, j'en sais rien, mais pour moi c'est une énigme sa mort. C'est-à-dire que par la suite est réalisé le clip Trieur, John Landis. Donc le clip Trieur, c'est la vidéo la plus lucrative de tous les temps. Donc j'ai rien à dire, hein, le vidéoclip le plus lucratif de tous les temps. D'ailleurs, il est classé dans la bibliothèque du Congrès international, je sais plus quoi, comme le film Terminator et le film Alien, ce qui est pas étonnant. Voilà. Donc là, c'est du haut au niveau. J'ai rien à dire. La figurine est très très belle. Vraiment bien foutu. Alors j'ai mis la lumière plus forte parce que si je mets en dessous, il y aura un sifflement. Regardez ça. NECA, ce qu'ils font voir. Je vais vous montrer la tête interchangeable. La voici. Juste magnifique. Voilà. Alors, je suis désolé parce que j'ai oublié de montrer les deux en même temps. Parce que, comme j'ai ça, ça fait déjà une semaine que je l'ai, le décor. Et ça, je vais le recevoir aujourd'hui. Donc, je préfère les faire tous les deux en même temps. Parce que je dis ça par rapport au vendeur, mais bon. Magnifique, hein, le sang et tout, là, c'est vraiment bien foutu. J'ai rien à dire. C'est le film en lui-même est juste extraordinaire. C'est la façon dont il se transforme, c'est juste hallucinant. D'ailleurs, il y a habillé en rouge. Dans le film, c'est ce que j'ai une fois là, quand je faisais notre vidéo sur Loup-Garou de Londres avec le démon nazi. Il y a un habillé en rouge, il se fait mordre par un loup-garou. Dans le clip Trieur, Michael Jackson est habillé en rouge, hein, donc c'est pas un hasard. Hein, bon, voilà.
Il y a comme une sorte de copier-coller, mais c'est un bon copier-coller, parce que puisque le clip est juste hallucinant, et le film est mort en plus, hein, et le film est juste hallucinant aussi, donc voilà. John Landis, c'est quelqu'un qui a mis une patte énorme dans la cinématographie. Alors évidemment, il n'est pas seul, hein, pour faire tous les décors, ça, les maquillages quand même, mais bon, il est aussi énorme pour avoir réalisé le clip Thriller. Évidemment, le reste, c'est Michael Jackson qui interprète tout le reste, la chorégraphie, tout ça, bon bref. Enfin, à peu près tout, on va dire. Après production, tout ça, c'est encore autre chose. Voilà. Ah, c'est bien foutu. Hein. Voilà. Attends, j'essaie de reparler de John Landis, parce que John Landis, alors, il est né Davis John Landis, il a 71 ans, Illinois, Chicago, américain, réalisateur, acteur, producteur, scénariste, alors évidemment, les Blues Brothers, quand même, le Loup-Garou de Londres, le clip Thriller, Un fauteuil pour deux, Un prince à New York, hein, d'accord. Voilà. Là, je pense que c'est du très haut niveau, hein. Je pense qu'on peut rien dire, de toute façon, ce monsieur-là, il mérite largement ses 5 étoiles. Hein. Je suis désolé, mais bon, largement. Il faut oublier qu'elle est les maquilleurs, tout ça, qu'ils ont travaillé aussi pour le film Hurlement. Très bon film aussi que j'ai vu qu'une fois. Je l'avais jamais vu, je l'ai vu une fois en 4K. Il faut que je leur tape deux fois. Mais j'ai toujours ma préférence pour le Garou de Londres. Bon, après, c'est des goûts. Hein. Voilà. Une belle petite vidéo de 10 minutes, on va dire. Comme ça, je vous la posterai. Voilà. Très belle figurine de NECA. Voilà, en dessous, de toute façon, ça s'enlève, la tête, c'est interchangeable, comme je disais, bon, voilà. J'espère que vous aurez un bon son, parce que, bon, des fois, ça siffle un peu. Voilà. Il est juste magnifique. Et le décor, il est magnifique aussi. Merci, Manuel. Un beau petit décor, bien fait, bien foutu. Les petites poubelles, là. Les petites pubs, publicités. Bon, la grille, je sais que ça n'a rien à voir. Normalement, c'est un décor qui était prévu pour les Tortues Ninja. Tu mettais ce que tu veux. Donc. Mais je sais que la ruelle, ça fait partie du film où le garou va se rabattre par les flics. Quoi, où il y a la compagne qui va revenir, va le rejoindre, l'infirmière. Et malheureusement, il est tué là-dedans. Il était obligé de l'abattre. Voilà. C'est très bien fait, hein, son truc. Hein. Tous les petits décors, c'est lui. Les petites briques, tout ça, c'est bien foutu. Alors ça, j'ai dû recoller parce qu'il était un peu... Mais c'est normal, là, que le transport, ça se voit plus de toute façon. Petit décor, tout ça c'est lui. Voilà. Même des prix dessus, vous voyez, comme quoi on voit, grâce à cette caméra, on voit ultra, c'est ultra enseignant les détails qu'on peut avoir avec cette caméra. Bon, ça c'est une grille comme ça, ne pas rentrer, mais justement ça suit bien avec le loup-garou. J'ai pensé au film loup-garou, c'est marrant parce que lui il avait montré des tortues ninja prédateurs, mais dans ma tête, je dis, oui, mais il y a loup-garou aussi de Londres, dans des ruelles à Londres. Eh oui. Il fallait y penser en plus, j'ai bien content avec la figurine en plus. Franchement, la figurine, elle est juste hallucinante et le décor, il est juste hallucinant. Les deux produits, alors là, c'est un produit dérivé, évidemment. Là, c'est un fabricant particulier. Je vais vous dire, les deux, ils s'accouplent très bien. Et les deux, c'est des très bons, on va dire, produits, entre guillemets, voilà. Franchement, c'est magnifique, petite poubelle, c'est bien foutu, ça. On s'y croirait. Hein. Regardez. C'est vraiment bien foutu. Son petit décor, comme je l'ai fait voir là, au début, derrière, le loup-garou de Londres. J'ai recollé l'affiche avec le truc de NECA. Bah oui, ça évite de le mettre devant, comme ça, bah derrière, c'est tout. En plus, c'est marqué dessus, NECA. Voilà, regarde, il regarde même le truc, voyez. Sans faire exprès. Voilà. J'ai mis le logo avec la tête ouverte, je sais pas, comme ça. Bon, après, on fait ce que veut, c'est interchangeable, hein. On s'en fout, hein. Tu peux mettre la tête ouverte, la tête... peu importe, je m'en fous. Je vais laisser avec la bouche fermée, finalement. Comme ça, après, si vous avez vu les photos, j'en mets dessus, puis voilà. Vachement content du décor. J'en mettrai son lien. Et vachement content aussi de la figurine loup-garou de Londres. Bon, j'imagine que c'est encore des produits, évidemment, fabriqués en Chine, malheureusement. Mais bon, ça... Après, voilà, hop, ça a été retransmis, je veux dire... Ils ont foutu ça pour la marque NECA. Après, c'est revendu. Et alors, que vous dites qu'on y fasse, ça, faut pas y penser, mais c'est comme ça. Et oui. Et en plus, quand je vois les détails, c'est juste hallucinant.
Souvent, c'est ça, c'est des produits, voilà, c'est chinois ou je sais pas quoi. Mais bon, parce que t'as la marque, voilà, t'as la marque, c'est ça, c'est toujours pareil, quoi. T'as la marque, fabrication. Alors après, c'est peut-être pas tout non plus toujours chinois, attention, hein. Peut-être que je dis des bêtises, hein, mais bon, généralement, comme ils sont très très forts dans tous ces trucs-là, ou même en Thaïlande, une fois j'ai vu des mecs qui faisaient des prédateurs. Putain, c'est juste. Eh, la tête, elle est. Wow. On a l'impression de le voir dans le film. Magnifique, hein. À la limite, je préfère cette tronche-là que la gueule ouverte. Il y en a qui préfèrent l'inverse. Bah oui, je vais vous dire, avec la gueule ouverte, c'est bien fait aussi. Mais il y a quand même un petit truc qui m'en dérange, je sais pas quoi. C'est peut-être la couleur du sang, hein, peut-être. Je préfère à la limite avec la bouche fermée. Mais là aussi, c'est très beau, hein, très très beau, hein, les yeux, tout. Bon, après, voilà, c'est les goûts, mais moi, je préfère que la bouche fermée. Je trouve que ça donne plus de. On va dire d'authenticité, on va dire. Ça fait un peu plus réel. Oui, en Thaïlande, une fois, il y en a qui fait fabriquer des prédateurs, mais énormes. Des prédateurs, j'avais vu ça une fois, ils fabriquaient des loups-garous, je sais plus quoi, enfin bref. Des trucs en ferraille, puis écoutez, la peau des fesses, mais ils ont raison, parce que le travail est tellement bien fait, ils font tellement du beau travail, que ce soit en Thaïlande, dans tous les asiatiques ou chinois, malheureusement, souvent, ils sont sous-payés. Mais bon, ils font tellement du beau travail que je me dis, putain, les mecs, ils devraient être reconnus, c'est pas possible. La précision, la netteté, c'est juste hallucinant. Même les petites figurines comme ça, c'est juste hallucinant. Je trouve ça très beau. Ah ouais, franchement, ouais. Et puis son décor, parce que bon, il faut pas non plus que je filme trop la figurine. Voilà. Bon, ça, ça n'a rien à voir que le film, hein, mais bon, 33 mois, oui, 33. Die. Ça n'a rien à voir, mais même là, on arrive à voir les petits détails. Los Angeles. Enfin, Los Angeles est dans Predator, je crois justement. Predator 2, il me semble. Voilà. Bon, ouais, on peut mettre Predator, la figurine de Predator NECA, on peut mettre les tortues ninja, mais on peut mettre aussi le loup-garou de Londres. Je suis désolé, mais si, c'est un muret à la fin, ça suit quand même. Ça se passe dans une ruelle, voilà, à Londres, avec des poubelles, je le sais très bien. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Voilà, ça c'est le décor de NECA. C'est le décor de NECA, mais je l'ai pas mis parce que bon, regardez bien. Voilà. Ça c'est accompagné du carton. Oui. C'est des poubelles, sacs poubelles, et ça se passe. Il y a une échelle en plus, vous voyez, enfin, comme quoi on était pas loin. Et ça se passe dans le fond d'une ruelle. C'est bien ce que je disais. Voilà. Mais je préfère se garder ce décor-là. Voilà. Donc c'est pareil, c'est pratiquement pareil. Je vois pas trop là. À part ça, mais bon, c'est pas. À part la grille, mais ça, on s'en fout. De toute façon, c'est très bien fait aussi. Justement, c'est même plus marrant de mettre la grille, je trouve. Ne pas rentrer, c'est plus rigolo. Ça suit mieux, je trouve. Voilà, je coupe là. Magnifique petit décor. Je remettrai son lien. Il fait des très beaux petits décors. C'est le troisième décor que j'achète. J'attends d'avoir le Terminator 2. Pour mettre mes petites figurines dedans, deux NECA aussi, avec le T-1000 qui explose, hein, évidemment, à la fin. J'attends, il est en fabrication, il va le faire un peu à la fois, mais je le prendrai aussi. Alors, de ce vendeur-là, j'ai finalement le truc de loup-garou de Londres, bon, on peut mettre autre chose. Hein. J'ai aussi Predator, j'ai la chose avec ma crédit, et j'ai aussi Terminator 2 pour plus tard, donc j'attendrai. Parce que là, faut qu'il monte son décor et puis après qu'il me le vende. De toute façon, je l'ai vu, il est magnifique. Mais comme il n'y a plus de matériel en ce moment, donc il est obligé d'attendre. Ah ouais, franchement, la tête, elle, même là, ça suit bien. Alors j'ai mis couleur rouge, hein, j'ai fait exprès. Parce que. Bah oui, parce que rouge, rouge sang, forcément, loup-garou de Londres. Et d'ailleurs, le loup-garou de Londres, je pense au Skinwalker Ranch, dans l'Utah, hein, ufologie, hein. Bah oui, c'est des créatures qui viennent d'autres mondes, qui sont dans des vortex. Alors, il y en a que ça va leur faire rire, des sourires, j'imagine un petit peu, mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui voient de plus en plus des sortes de créatures de loups en France, sortes de grands loups, on sait pas d'où ça vient. Donc, bon, j'ai ma petite idée, hein, on va dire ufologique. Bon. J'ai ma petite idée, ce qui est pas étonnant. Pareil que ça c'est de plus en plus, c'est quand même inquiétant. Je préfère même pas y penser parce que là, bon.
comme quoi les films de science-fiction, entre guillemets, et la réalité ufologique ou paranormale, ce que vous voulez, ça se rejoint. Il y a même une histoire de paranormal, de ufologie, où des grands chiens noirs, ils ont été aperçus à côté de soucoupes, bref, des trucs énormes. Hein, déjà, on se rapproche un grand chien noir ou grand loup, bon. C'est quand même assez curieux. C'est pas les mêmes dimensions, donc forcément, ils passent dans le temps, quoi, je veux dire, l'espace-temps. Voilà. C'est comme des sortes d'hologrammes, on va dire. Voilà, en tout cas, le film est extraordinaire, la figurine est magnifique, le décor est magnifique. Excusez-moi pour les petits flous. Et je vais couper là. Voilà. Magnifique, et à bientôt, d'ici, je sais pas, j'ai encore les dents de la mer à poster, j'ai encore plein de vidéos, et ce fantôme. Wow, dans une bonne semaine, ça sert à quoi. Je coupe, merci. J'ai les commandes américains aussi, bon. À bientôt. À plus, et merci encore pour Manuel. Magnifique décor. Je coupe. Plus. Le monde. Saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.